Hello tout le monde, hello à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin. Et on se retrouve pour le de nouveau la Solus de Fear. Je vais vous refaire la mission 1. Oui, je vais vous la refaire. En espérant qu'il n'y ait pas les mêmes bugs qu'il y avait eu à l'époque, mais en brine, je m'en rappelle. Non, ça va aller. Donc là, oui, parce que vu que le Bandicam, il y avait une qualité de merde. Voilà. Bon, je préfère commencer directement sur le menu, pas vous montrer l'intro, enfin le voilà, les petites pubs pour les développeurs, les sponsors et tout. Hein. Voilà, je vous l'avais déjà montré avec Bandicam. Non, là, je vous remonte comme ça, la première mission, vous verrez mieux, parce qu'avec Bandicam, ça faisait épilepsie, hein, donc voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, j'ai réinstallé le jeu, ben, j'ai toujours les mêmes sauvegardes, les contrôles de la manette ont été sauvegardés, c'est bien. Voilà. Yalta. Mec. Non, non, ça va. Il y a juste, comment dire... Oh, il y a juste les touches que j'ai dû recalculer. Bon, allez, vas-y. Très plaisantly. Enjouer. Nouvelle partie. Faible, toujours. Une alerte rouge a été déclenchée. Mission l'équipe FIRD a immédiatement se rendre au briefing pour n'importe quoi. Vous venez d'être nommé dans l'unité comme éclaireur. Bonjour, monsieur. Quand ce sera votre première mission? J'espère que ça marchera. J'espère qu'il n'y aura pas les mêmes bugs. S'il y a les mêmes bugs... Oh, pas grave, moi je vous aurais refait la première mission. On me verra. De toute façon, quand j'arrive au passage où la dernière fois il y avait Fier ACC qui fonctionnait, je sauvegarderai avant. Comme ça, on est sûr. Appuyez sur une touche. Bon, bah j'ai 78 FPS, ça devrait aller. En 2002, l'armée des États-Unis a formé une unité secrète destinée à combattre les menaces paranormales pour la sécurité nationale. Cette unité s'appelait First Encounter Assault Raccoon. Raccoon. Mais comme on n'est pas ce nom de merde, on a appelé Fear. Sierra Eternal Pleasant. Un jeu Monolith Production. Le monolithe de Dead Space. Greg Baldwin, Jackman et Susanna Burney. Et avec aussi Tim Courant, Todd Lycea, Mark Blinn, Better Lucy et Roberts. Oui, Julia. Non, je déconne, sa cousine. Et aussi Max Stavov, David Scully, André et Jim. Monsieur le sénateur, il s'agit d'Origine. Que se passe-t-il? Il y a eu un soulèvement. Fettel a pris le contrôle des prototypes. Mon Dieu. Nous pouvons toujours régler ça sans faire trop de vagues, mais nous devons faire vite. Bon, d'accord. Je vais passer quelques coups de fil.
Attends, on dirait la voix. Ce cinglé s'appelle Paxton Fettel. C'est lui la clé. D'accord, c'est la clé. Et Passepartout, il est où? Il a de l'appétit, le salaud. Il a une idée derrière la tête. Il ne fait pas ça. Non, moi je ferais ça pour le plaisir. Hein. Quelque chose. Ça se voit que t'as jamais vu Doctor Who, un mec qui fait ça pour le plaisir. C'est quoi son histoire? Propriété d'Armacam Technology Corporation. Il travaille au développement d'une armée de clones, répondant aux seuls ordres d'un commandant psychique. Top secret, bien sûr. Fettel est l'un de ses commandants. Non, mais vous voulez rire? On ne peut pas croire ça, c'est pas sérieux. Des clones militaires? Un bataillon entier, hautement entraîné et lourdement armé. Un bataillon? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre 1000 super soldats? Les déglinguer! Il faut abattre Fettel et c'est gagné. Leur programme est conçu de manière à ce que le commandant dispose des renseignements nécessaires sans être sur le champ de bataille. On devra donc pouvoir l'acculer sans avoir à engager un combat frontal contre tous ces soldats. Non, parce que Riddick, comment ça on fait pour le localiser? Armacam lui a planté un transmetteur dans le crâne. Ça devrait nous conduire à lui. Ça semble parfait. Si ça fait ce que c'est censé faire. Et vous, prêt à partir au boulot? Ah bah oui! Quoi, vous l'envoyez sur le terrain? Ça va pas à la tête. Il vient tout juste d'être muté. Et alors? Vous avez vu le résultat de son entraînement? Je crois qu'il peut s'en sortir par ses propres moyens. Ses réflexes sont hors du commun. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Ouais, bon sang, c'est vrai. Vous en faites pas. Tout va bien se passer. Sinon, ça va, Fir? Quelle est la première chose dont vous vous rappeliez? La fois où j'ai fait l'amour à Michel Polnareff. Où l'emmenez-vous? Tu seras un dieu parmi les hommes. Toi, tu seras un con parmi les dieux. Ça a été bonne. Nous avons localisé Fettel dans un bâtiment abandonné un peu plus loin. D'après notre satellite, il n'y aurait aucun signe d'activité ennemie. Mais restez prudents. Jankowski, vous êtes en position? C'est quand vous voulez. Ok, c'est parti. Fouillez la zone pour trouver des signes de Paxton Fettel. Oula, c'est chaud. Hein. Vous verriez tout ce que j'ai de branché, là? J'ai la manette, j'ai tout. Ouais! Gang bang! Ça va, René? Putain, c'est de la triche, vite par balle, mec! Et poumf! Et poumf! Et poumf! Ah bah c'est déjà mieux, hein, moi je trouve! C'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, je trouve! Bah moi je vous le dis, je suis un gros taré! Voilà là, attention! Poum! Ah, ça va être marrant hein, pour faire les sauts quand même! Hein. Et boum! Ah, c'est vrai que dans celui-là on peut pas. Qu'est-ce qui se passe? Yo, je le rat! Connard! Reviens là! X. Nick. Connard! Fils de. Eh ta mère, c'est de. Yo! Hé hey, mon pote, pourquoi vous avez été aussi? Essayez de trouver un passage. Ta mère. Rendez-vous avec Jankowski, il m'emmerde lui. Oui je sais, c'est la troisième vidéo je le dis, en même temps c'est la troisième vidéo, oui. Pour ceux qui ont suivi depuis le début Fear, ou qui l'ont, vous savez ce qui lui arrive, et je suis content. Miss Persmatozoïne me fait toujours rire, hein. C'est pourtant la troisième fois que je filme ce niveau, j'y ai joué 15 000 fois, mais franchement ce spermatozoïde me fait rire. Les jeunes de banlieue disent donc, décidément. Mais foiré! Yosh, le mec. Eh, c'est un rapace muraille! C'est pas de la. C'est de la triche, là! Et voilà. Ouais. Voilà. Ok, vas-y, c'est l'heure. Gang bang, la 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 la. Wouh, vas-y. Origine inconnue. Oh. Oui, je tire sur une gamine et ça vous emmerde les gueux. Ça va, tant que j'ai besoin de tirer sur rien. Bon, encore une fois, comme je vous l'avais dit, ce passage n'a pas été traduit.
Comme quoi, j'ai réussi à trouver un passage quand même que les développeurs n'avaient pas trouvé. Vas-y. Ouais. Oh putain, comment je vais faire pour avoir mon arme? Bonne question. En fait, là, j'ai l'impression que ma manette va être inutile. Je pourrais la débrancher. Mais bon. Je déteste ça. Ça va, j'arrive facilement à m'en sortir sans le truc. Oh putain. Ah, vas-y, allez, viens. Ramène ton boule. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je de nouveau ici? Je sais pas. Oh, il fait beau quand même chez toi. Tain! Tain, 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 mec. Wow! Appelez-moi Hercule, les gens! Je suis accroupi. Bon, ne vous inquiétez pas, vu que je suis sur PC. Merci, connard. Hein, ça, ne vous étonnez pas si des fois je mets du temps pour changer d'action, parce que j'ai du mal au tout. Non, franchement, la manette, je pense que je vais l'enlever parce que j'arrive à facilement m'en sortir sans. M'habituer à Tarzan là, donc vas-y. Ça complique plus la chose. Donc voilà. Oh, mon arme. Voilà. Oui. Je sais pas, je crois normalement si on appuie trop longtemps sur une touche, c'était le cas sur Xbox, ça nous enlève notre arme. Et après, on peut faire à la route. À la route. Non, mais les petits screamers là, c'est inutile. Franchement, j'adore l'ambiance de ce jeu. Attendez une minute. J'adore lui tirer dessus à ce moment-là. Bon, ça, c'est un truc relou de la version PC du jeu. C'est les sauvegardes. Point de passage. Parce que ça fait une petite pause. Ce qui te coupe bien l'ambiance. Non, mais moi, j'aime pas. Hein. Je vous le dis. Là, pour une fois, c'est mieux sur Xbox. Go. Vu que. Ça continue l'action tranquille. Quand ça sauvegarde. Vous avez vu le jour ici. Dans cet endroit. Ah bon? J'étais ici. Ah, ok. Tout s'explique. Ah, Jean, on a besoin de vous ici. J'arrive. On dirait qu'on arrive trop tard, patron. Bon, en même temps, je viens de le buter. D'après le signal du transmetteur, il est tout proche. Il doit être quelque part. Tout près. Je vais attendre Jean. Allez jeter un coup d'œil. T'es beau. Continue. Wow. On vient à peine se rencontrer. Vous allez jeter un coup d'œil, oui ou non? Non. T'es quand même mieux sur PC. T'es plus beau gosse. J'ai dit d'aller jeter un coup d'œil aux alentours. Et moi j'ai dit que t'étais beau gosse. Eh oui. Oh, vous êtes bouché ou quoi? Ben non, je suis charcutier. C'est vous. Et c'est moi qui commande, ok? Oh, ok, ok, c'est bon, hein. C'est bon. Non mais la technique de passe-muraille, je vous ai dit que j'aimais pas ça. What? Saloperie de corbeaux, ils sont pas super. Je déconne, j'adore les corbeaux. Ça c'est que plus tard qu'on pourra défoncer les portes à coups de trosse. Il sera mieux. Vous verrez dans les prochains, j'ouvrirai jamais les portes normalement. Hein. Coup de crosse, coup de crosse, coup de crosse. Je t'ai cassé, hein. Oui, comme dans la vidéo avec Steve. Je t'ai cassé. J'adore le reflet style soleil. Ça fait vrai. Enfin, ouais, bon, ils exagèrent quand même un peu. On dirait que le mec, il a des lunettes. Oh, peut-être que nous, on perçoit des lunettes. Je t'ai... Fail. Le mort s'appelait Charles Abegger. Cool, je m'en fous. Je m'en souviens. Mais ses souvenirs sont-ils les miens? Ou les siens? Ça ne fait aucune différence. Il méritait de mourir. Ils méritent tous de mourir. Bien dit, mec! Je t'adore. Répondez, terminé. Ouais, je suis vivant. J'ai perdu le signal de Fettel. Et moi, t'as failli perdre mon signal et tu t'en fous. Quel genre de problème? On a localisé les soldats que vous recherchiez. Pas on n'a pas l'autorisation d'engager le combat tant que vous n'avez pas effectué une reconnaissance. Compris. Deux appareils sont en route sur votre position. Vous aurez un contact visuel sous peu. On sera prêt. SVODD, hein, je les adore ceux-là. Passe à la croix!
Eh ben, il passe quoi? Il passe à la croix. Mais qu'est-ce que t'es naze? Et je sauvegarde. Ouais. Ouais. Merci. Donc, c'est le moment de vérité. Y'a pas le bœuf. Bon, ouais. Ouais, bah, ça, ouais, bah, c'est la touche pour sauvegarde rapide. Bon, vous avez rien vu, hein, n'empêche. J'adore, moi. Y'a pas le bug! Eh bah, si. Ouais, c'est bon. On a passé ce bug. Encore une fois, vous avez pas visé. J'ai l'impression que c'est les hélicos qui me font ce bug. Hein. Par contre, c'est mauvais. S'il y a ce bug, le deuxième risque d'y être aussi. Le fameux fuir a cessé de fonctionner qu'il y avait aussi. Moi qui pensais que c'était parce que il y avait un problème à l'installation, là j'ai vraiment l'impression que ça vient du jeu en lui-même. Et si ça va falloir attendre que j'ai une nouvelle version de un nouveau fuir tout court pour filmer. En tout cas, je vais faire un petit aparté. Je ne l'achèterai pas sur Steam. Ah oui, parce que déjà ça sent la grosse arnaque. Hein. Steam, les arnaqueurs hors pair. Non, mais parce que je vous dis, le jeu, une fois que tu l'as, tu ne le prêtes à personne. Parce que tu ne peux pas. Il y a un code pour pouvoir y jouer. Tu peux l'utiliser voilà, qu'une fois pour sauvegarder. Si après tu paumes le truc ou je sais pas quoi, hein, par exemple, tu paumes ton compte, t'es dans la merde. Tu peux plus y jouer. T'es obligé de te racheter le jeu. Et donc tu peux le prêter à personne vu que personne peut y jouer d'autre que toi. Donc tout ce qui est eBay et tout avec Steam c'est la merde. Je me suis fait avoir, j'ai un Left 4 Dead 2, je peux même pas y jouer parce que... Donc Steam, les arnaqueurs du siècle. Les arnaqueurs. Je déteste Steam. Oui, je déteste. Il y a des... Non, c'est trop mauvais. Il y a vraiment qu'un seul problème avec Steam, c'est ça, mais ça réussit à me briser tous les autres bons côtés de Steam. Ce qui fait que ça m'énerve dès que j'y pense. M'énerve. Voilà ça. Steam, je crache à la gueule. Voilà, je lance un clash contre Steam. Hein. Je vais vous péter votre gueule. Ouais, vas-y, on va continuer le jeu. Que pensez-vous du nouvel agent? Bah, il est plutôt craquant. Et à part ça? Si vous disiez ce que vous avez en tête, Jankowski. Je sais pas. Il y a un truc chez lui qui est... bizarre. Décidément, vous comprendrez jamais rien ouais. Aux gens, mon vieux. Je plaisante pas. Il y a un truc avec ses yeux, comme s'il regardait à travers les gens. C'est parce que vous n'êtes pas difficile à percer à jour. Vous alliez partir? La journée ne fait que commencer. Vous pouvez y aller. J'ai affaire ici pendant un bon moment. Respire! Allez, faites-la pousser! J'ai essayé d'oublier de toutes mes forces. Si tu veux, je te flashouille. T'oublieras facilement. Je sais pas ce que j'ai là, mais j'ai envie de casser l'ambiance. Ces hommes sont du fil. Ils sont affectés à notre unité pour la durée de la mission. Ils seront en pointe. Leur mission est de déterminer la nature de la menace. La nôtre, de l'écarter en vie. Ouais. N'engagez pas l'ennemi. Souvenez-vous que nous ne traitons pas avec des truands ordinaires. L'équipe 1 passera par le sud-ouest et l'équipe 2 par le nord. Quand la reconnaissance est faite, nous nous retrouvons et nous attendons les ordres. Thank you. Ok, en route les gars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oh. On se retrouvera prochainement pour mon jeu. Et oui, le niveau 2 de mon jeu. Voilà. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi de me poser des questions pour le FAQ. Pour l'instant, j'en ai reçu. Aucune. En fait, si ça continue, je vais même plus rien dire. Si ça continue, je vais me taire pendant toutes les vidéos. Hein. Non, mais les gens, sérieusement... Quand je pose une question, répondez-y en commentaire. Après,
hein, si elle n'a pas n'importe quel commentaire, que ce soit un commentaire sur YouTube dans la vidéo si compte, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur un forum où il y a mes trucs, sur le forum archive où j'attends qu'il y ait des gens qui s'inscrivent. Hein. Non mais parce que ça doit être au moins la 25e question que je pose sans que j'ai aucune question. Hein. Hein, le 25e, c'est un truc que je demande, que je pose en question. Dès que je pose une question, tout le monde s'en branle. Dès que je fais une je demande quelque chose, ouais. Posez-moi des questions, je veux faire un FAQ. Mais un FAQ sans que personne me pose de questions, c'est pas un FAQ. Si je voulais, je fais un FAQ avec mes propres questions à moi-même, mais bon. Oh là là, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle de moi. Les gens, ils regardent mes vidéos, mais ils s'en foutent. Je parle surtout de mes amis qui regardent mes vidéos, qui disent « C'est génial !» Sauf qu'ils répondent pas à la aux questions que je pose. Voilà. C'était quoi déjà la question que je posais à la base, là? Ouais, voilà, j'ai oublié à cause de vous. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, le FAQ. Voilà, niveau, si vous... Bon, ça, c'est moi. Allez, le FAQ, s'il vous plaît. Bon, allez. Et en plus, j'ai posté des trucs partout, là, pour être sûr. Et toujours rien. Vous le dites si je vous emmerde. Ah, je vous emmerde. Ok, salut. Au revoir.